and his name is John C. Salut à tous les amis, c'est Megapix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le fameux top 10 des abonnés. Je suis super content parce que j'ai reçu pas mal de clips, mais je vous le dis à l'avance, j'ai pas pu prendre les clips stun parce que je serais très mal placé pour classer du stunt. Et bon, vous allez voir qu'il y a du beau kill et du beau fail, c'est ça qu'on voulait voir finalement. Au passage, je tiens à vous remercier pour les 17 000 abonnés, ça fait super plaisir, on approche des 20K à grands pas. Et merci à Sombre Noob qui m'a fait un super compteur en 3D pour cette série. Sa chaîne sera dans la description si vous voulez passer voir, il fait du super bon taf. Par contre, je vous le dis, c'est payant, hein. Le bon taf, c'est pas gratuit, on n'est pas chez mémé. Enfin bon, bref, on va commencer ce top 10, j'espère qu'il va vous plaire. Et justement, à la 10ème place, on se retrouve avec KKEUS94. Il nous a fait un kill, mais pas n'importe quel kill en fait. Je saurais pas dire si c'est un flash cop ou un noscope. C'est un kill vraiment chelou. En tout cas, il mérite bien son petit montage, what the fuck. Voilà, désolé pour vos oreilles. Et à la 9ème place, on se retrouve avec un clip assez chelou de Guillaume65789. Regardez bien ce qu'il va nous faire avec sa Kuruma. J'ai l'impression que le trottoir l'a fait se téléporter et en plus, il recte un poteau. C'était n'importe quoi. Et à la 8ème place, une séquence bien marrante de Froizen. J'espère que je prononce bien ton pseudo. Alors lui, il a invité un de ses potes au bureau et il s'est dit, on n'est pas là pour travailler. Non, on est là pour faire des choses coquines, monsieur. On croit qu'il veut faire une sieste, etc. Et puis finalement, son pote, il arrive et... Désolé, mais là pour le coup, j'ai dû censurer la suite. Et à la 7ème position, on se retrouve avec Distrox. Et là, vous allez me dire, mais les gars, t'as dit dans l'intro que tu prenais pas des stunts. Ce n'est pas du stunt, tu attends, tu te calmes. Tu regardes le clip, tu regardes cet envol, tu regardes le rebum qu'il va nous faire et... Donc le gars, il atterrit tranquillement dans un arbre. Je sais que c'est absolument pas ce que tu voulais faire, mais ton perso, désolé, mais c'est Tarzan. Enfin bref, tu méritais ta place dans le classement, ça c'est sûr et certain. Et à la 6ème place, on se retrouve avec un clip de Shadows Eagle. Donc lui, il part faire mumuse avec les barrières bleues qui sont totalement buggées, hein, on va pas se le cacher. Mais là, son libérateur est totalement possédé par les barrières. Ça ferait presque peur, il ne contrôle plus rien. Jusqu'à ce que la barrière se décide enfin à le lâcher. Imagine, tu te prends ce genre de barrière en pleine course, moi ça me ferait péter un câble. Hein. Ou alors, encore mieux, je me les prends et les barrières, elles conduisent mieux. Moi. Enfin bref, on continue, à la moitié de ce classement, c'est un clip d'Evan. Donc il est avec un de ses potes en train de dire au revoir à la voiture qu'ils viennent de détruire. Donc il s'enflamme, mais la façon dont il va mourir est plutôt drôle. En plus avec la petite réaction. Oh, je suis mort par un pare-choc. Je pense que c'est ta réaction qui m'a fait le plus rire et qui fait que t'es classé 5ème. GG à toi pour m'avoir fait rire. Et en 4ème position, nous avons affaire à un boss final du jeu GTA V. Je suis désolé Carlo309, mais là, je peux plus rien pour toi. Je sais pas ce qui s'est passé. J'aimerais que tu me donnes une explication. Peut-être que t'as donné la manette à ton petit frère ou je sais pas moi, mais... Comment tu peux jouer aussi mal? Comment c'est possible? Même moi qui suis nul, j'arrive pas à faire des fails comme ça. Donne-nous une explication, Carlo! Dis-nous tout, t'étais pas en forme ce jour-là? Ok, je suis désolé, je me suis peut-être un petit peu emporté. Et on arrive sur le podium. À la 3ème place, c'est Enox, ou Enook, je sais pas. Désolé si j'écorche ton pseudo. Lui, c'est un champion du skydiving. Je vous le dis direct, il commence par un gros fail avec son Hydra. Mais c'est pas le clip le plus intéressant, c'est que juste après, il va nous refaire un clip exceptionnel depuis un hélicoptère. Regardez-moi ça. C'est digne d'un stunt montage. Bonjour, je suis l'hélico qui vient de piquer ta mère, 30 secondes après que t'es sauté. Et on arrive déjà au deuxième de ce top 10, c'est ToxWiz68. Alors lui, il se baladait tranquillement en quad à l'aéroport. Il se dit, bah tiens, je suis pas emmerdé, je suis tout seul dans ma session, je peux rouler tranquillement sans que personne ne vienne me péter les couilles. Et là, bam, le titan qui te tue direct. J'imagine que ça a dû bien te saouler, tu mérites ta deuxième place. Et à la première place, attention, nous avons affaire à Black White, les amis. Donc lui, il est en session publique et il se fait emmerder par un joueur, hein, comme ça arrive souvent, malheureusement, dans les sessions publiques. 12 seconds later. Bien évidemment, il se fait défoncer, mais lui, il se dit, je vais pas en rester là, je vais pas me laisser faire, c'est ma Roosevelt, tu m'exploses pas ma Roosevelt, ok? Il respawn tranquillement, il repère où est l'ennemi en sortant son lance-missile, mais il se dit, non, c'est trop loin, alors comment on va faire? On va prendre le sniper, on va le tuer en une balle. Bon, il se fait écraser par un PNJ juste après,
mais le kill était vraiment magnifique et je pense qu'il mérite sa première place. Moi j'ai juste trouvé ça totalement épique, je sais pas comment vous faites. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce top 10, j'espère que vous l'avez apprécié. Juste avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous poser une question à laquelle vous pourriez répondre dans les commentaires. J'aimerais savoir si ça vous intéresse de voir des Funtage sur d'autres jeux. Donc je pense notamment à Bomb Party, Black Ops 3, Battlefield 4 et Saints Row 4. Je compte sur vous pour répondre sincèrement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, c'était Megapix. Ciao tout le monde, bye.